Salut tout le monde, c'est Lou, c'est l'heure de se retrouver pour un nouveau let's play d'un jeu Playmobil, toujours avec Sarbacane derrière, qui est le développeur officiel, on pourrait dire, du coup, des jeux Playmobil. Cette fois-ci, c'est l'Hôpital des Enfants, une gamme qui disparaît à la fin de cette année 2019 pour laisser la place à un tout nouvel hôpital, que j'ai hâte d'avoir parce qu'il est très très beau. Peut-être que je ferai l'hôpital pédiatrique du coup en unboxing, parce que c'est vrai que même si je l'ai déjà, peut-être que je le rachèterai rien que pour faire la vidéo. Je le trouve assez sympa, il est assez joli, j'aime bien les couleurs, j'aime bien l'architecture, mais j'aime bien le nouvel hôpital aussi. Alors, appuie sur le médecin et fais le glisser pour le faire avancer. Ça me rappelle le mini-jeu, voilà, de la maison, mais peut-être avec une meilleure maniabilité. Déplace le médecin lorsque les patients arrivent et tape rapidement pour leur donner un traitement. Ok. La maniabilité est effectivement un peu plus simple. Alors. Va sur le patient. Voilà. Ça commence bien. J'ai déjà failli louper ce patient-là. Ah, c'est pas Two Point Hospital ni Time Hospital, hein. Je sais pas ce qu'elle fait, elle danse la Macarena. C'est comme ça qu'on soigne apparemment chez les Playmobil. Ah, il fallait que j'appuie au-dessus, d'accord. Il faut classer les dossiers médicaux dans l'ordre en utilisant les symboles. C'est-à-dire. Hein? Je comprends pas. Ah! Ah, je vais te comprendre. D'accord. Il me disait non. Mise à jour de l'hôpital. Amélioration. Lorsque la barre sera remplie, tu pourras avoir un nouvel équipement ou de nouveaux collègues pour t'aider dans l'hôpital. Ça a l'air rigolo. Tiens, va à l'étage. L'ascenseur. Ah, je le bouge moi-même. Cool. Allez, Marie-Monique. Est-ce qu'on peut rajouter un étage? Ce serait bien. Moi, j'ai un étage supplémentaire dans mon hôpital. Alors, pas oublier d'appuyer cette fois-ci. Voilà. Youpi! J'ai mis le pansement. Ah, faut redescendre. Zoup. Eh oh. Ah mais comme dans... Comment dire? Comme dans le jeu de la grande maison, enfin de la villa de luxe, le personnage des fois, au lieu de le déplacer, ça bouge la caméra, c'est un petit peu relou. Approche-toi, bah alors. Hey, psst. Il me souffle comme dans... Enfin, il me siffle plutôt. Comme dans la grande maison. C'est tout? Je le vide de son sang là, dis donc. Ah non, d'accord, ok. C'est horrible. C'est horrible. Ah, j'ai un problème avec les prises de sang, ça me... J'ai une infirmière. Les médecins doivent être envoyés pour soigner les patients. Les infirmières seront aussi présentes pour prendre soin des malades. Très bien, cool. Non, je ne peux pas bouger les infirmières. Qu'est-ce qu'elle fait l'infirmière? Elle peut se laver les mains. C'est bon? Tu en veux du savon ou quoi? Pouette, pouette, bah alors. Ah d'accord, il faut frotter. C'est moderne. C'est bon? Youpi! Alors, installer une perfusion. Bah dis donc, il y a plein de trucs. Faut relier les fils.
Vert, vert. Marron, marron. Rouge, rouge. Hop, descend. Mets-toi bien devant, parce que sinon, voilà, ça marche pas. Alors, classer. Ça y est, j'ai compris. Ok. En route, Josiane. Hop, pansement. Voilà, ça va vite. Qu'est-ce qu'elle veut, l'infirmière? Ah, d'accord. Qu'elle se relave les mains. Hop. On bouge. On s'essuie. On bouge. Voilà. T'as les mains propres. Youpidou, elle danse. J'ai débloqué quelque chose, le scanner. C'est génial ça. Hey, psst. Hey, psst. Prise de sang, tac. Switch. Oh purée, si l'infirmière allait aussi vite que ça, ce serait une horreur. Oh, mon Dieu! Ça fait pas mal en plus, c'est ça le pire. Oh, le pire, le mieux. Un petit coup de scanner. Alors, on prépare correctement le scanner pour que tous les voyants lumineux soient verts. Ok, ce petit bonheur à la chance, quoi. Mais heureusement qu'il n'y a pas trois étages, en fait, hein, parce qu'on galérerait très vite. Et je me promène. Hey, perfusion. Contrôler. Ah non, bouge le bâton, tape sur la pompe et mets le thermomètre dans la bouche du patient. Ok, j'ai bougé le bâton. Voilà. J'ai pris la tension. Thermomètre dans la bouche. Voilà. T'as l'air d'avoir un petit peu chaud, hein, mon petit. T'as un petit peu 50 000 de fièvre. Tout le temps, faire l'aller-retour entre le haut et le bas. Elle, elle adore se laver les mains. Bon, c'est important de se laver les mains dans un hôpital, mais là, toutes les 5 minutes, ça fait beaucoup. Vous pensez pas? Voilà. Yeah. On va classer les dossiers. Passer à côté du tiroir. Ça va. Hey, psst. Retrouver les os cassés. Il faut boucher l'écran pour retrouver les os cassés. Là. Oh, c'est marrant ça. Tu as deux fractures, mon petit. Ah, j'ai l'ambulance. Mais c'est génial! Je dois frapper sur les portes pour les ouvrir. Ok.
Il me faut un médecin là. Pas gérer à moi toute seule. Remets en place plutôt les os cassés. Il faut faire ça en plaçant tous les morceaux dans le bon ordre. C'est un puzzle d'os quoi. Ça me rappelle un peu Trauma Center qui était vraiment génial comme jeu. J'ai hâte de le refaire en let's play. C'est pratique hein, que ce soit ouvert à l'arrière comme ça, comme hôpital. Faut que t'arrêtes de me siffler, sérieusement, c'est très désagréable et c'est pas poli en plus. Installer la perf, ça je sais faire. Voilà. Oui, on va se laver les mains. C'est important de se laver les mains. Squeak, squeak, squeak. Voilà, et on sèche. Hop là. Quoi? Tu veux te relaver les mains? Ah mais dis donc, elle a une obsession là. Elle a des tocs. Toc d'hygiène. Parce que j'ai dû le fermer en haut, du coup, ça a bloqué le. Elle est où, Jacqueline? Ah, pardon. Pardon, Josette. Prise de sang, pac, pouf, pic. Voilà. En 3 secondes. Un petit scan. Hop. J'ai l'impression de faire un coffre-fort, quoi. Voilà. Yeah! Et zioup! Pansement, oh, ça va vite. On frotte, on frotte, on frotte. Tac, c'est bon. Ah, on a la toise pour le service pédiatrie. Trop mignon. Il y a une urgence. Attends, d'abord je me lave les mains. C'est hyper important de se laver les mains. Ok, hop. Voilà. C'est bon. Alors, les dossiers, ça on commence à connaître maintenant. Bien. Allez, on s'occupe de Jean-Michel. Un petit pansement, une ambulance pour mettre un pansement, bah dis donc. Je vois qu'on a vraiment de gros problèmes à Plémo City. Là là, pauvre sécu. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici au service pédiatrie? On prend les mesures. La taille et le poids. La taille du bébé. Et le poids. Voilà. Bah, il est super lourd, lui, dis donc. On descend.
On va se laver les mains. Ah, j'aime bien ça. Les os. Bon, c'était rapide. Et ouais, je suis un super médecin, moi. Professionnel. On se lave les mains. Voilà. Et... Voilà. Bravo. Hihi. Hey, psst. Il m'envoyait pas de message pendant que je travaille là. Je suis un médecin important. Pas de texto. M'installe la perf. Voilà. Hop, on descend Micheline. Adieu, du, 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 du. Bonjour, bonjour. Prise de sang, pac, pouf, et tac. Ça, c'est fait. Hop. Contrôler. Hop. Hop. C'est bon, tu contrôles là? Bam! La tension, bah dis donc, ça va serrer là. Dans la bouche. Pouf. 1 milliard de degrés. Vous avez un petit peu de fièvre, mon petit. Une urgence! D'abord, on se lave les mains. Squeak. À chaque fois, j'oublie de laisser appuyer. Il faut laisser appuyer, voilà. Hihi! Et je danse? Oh, nouveau médecin! Ah bah enfin! Ça, c'est bien. Préparer le scanner. Voilà. Je vais laisser un médecin en haut et en bas, hein. Ça va être plus simple. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Os cassé. Tac. Oh, c'est bon, ça passe là. Voilà. Hop. Un en haut, un en bas. On n'aura plus besoin de s'amuser dans l'ascenseur. Ça, c'est pratique. Ok, l'attention. Bien. La fièvre. Bim! Plus chaud que le soleil. Tu vas fondre. Alors, mon nouveau médecin. Trop rapide. Fou. Hop là, prendre les mesures. C'est un petit bébé celui-là. Oula. Voilà, on a le poids. Ah, va-t-on se brosser les mains? Eh oui. Voilà. Allez.
C'est bon? On sèche? Eh ben, ah, t'étais pas en face. Marie-Monique, voyons. Bien. Hop, on va soigner le petit. On va faire une petite pause après, hein, parce que quand même, pff, ça fatigue d'être médecin. Installe la perf. Eh ben. Mon écran ne répondait plus. Voilà, allez, petite pause. Allez, on reprend le boulot dans l'hôpital des enfants de Playmobil. Alors, bah déjà. Ah mais. Tiens. Entre la pause, mon médecin a changé. C'est bizarre. Je préférais l'autre. Rendez-moi ma médecin. Pas très sympa de me changer mon personnel comme ça. Alors, contrôler. Ça, c'est fastoche. Tac, tac. Fou. Taf, 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 taf. C'est bon. Quel pro. Hop. Bim. Voilà, de la lave en fusion. C'est bien. Elle va se laver les mains, je le sens. Bonjour. Alors, maintenant, on comprend, hein. Le pro du rangement de dossier, c'est moi. On a une nouvelle infirmière. Cool, on va pouvoir encore plus se laver les mains. Une infirmière à chaque étage, bah, c'est très bien ça. Hop, oh mince. Tac, tac. Ta-t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 a. Et puis on remet le thermo. Pouit. Oula, attention! C'est l'urgence! C'est l'urgence! Alors, prise de sang, bon, ça on sait faire. Hop. Et tac. J'ai pas encore l'hélicoptère, hein, vous notez, il y a quand même la piste, mais j'ai pas encore l'hélico. Ah, attends. Il y a l'infirmière qui veut se laver les mains. Alors celle d'en bas va se laver, va jamais se laver les mains, j'ai l'impression, du coup. On peut dire que c'est vraiment l'hôpital le plus propre du monde. Tchou, tchou, tchou. Ok. Les os cassés, oui. Là. Ça ressemble pas à ça, un os cassé, mais bon. T'as rien dans la tête, hein. T'as rien dans le crâne, mon petit. Que du plastique. Des pansements. Voilà. Hop. Hey, psst. Arrêtez de me siffler. Bande de malpolis. Hop là. Mesurer. Ah, j'aime bien. J'aime bien. 50 000 kilos, n'est-ce pas merveilleux? Alors, préparez le scanner, ça aussi j'aime bien. Bah voilà.
Installer la perf. Ben alors. Voilà. C'est toujours le même modèle, hein, donc au bout d'un moment. Attention, je vais me laver les mains. Squeak, squeak, squeak. Voilà. C'est bien. Ce petit pas de danse. Oh, la salle d'opération, ça devient sérieux là. Attention. Les os cassés. Ok. Alors, tri des dossiers. Oh bah que du vert là. Mais un petit orange quand même. Ah, sale dope. Mais il est quasiment plein là l'hôpital. Je vois pas trop ce qu'on pourrait rajouter. Préparer le scanner. On est en salle d'opération. Hein. Voilà. Contrôler, flouk. Allez, flouk, flouk. Flouk, flouk. Et voilà. Les os cassés. Là. Voilà. Et moi je fais une opération là. Comme dans Trauma Center. Impeccable. Voilà. Le fameux lavage de main. Ça, on sait faire, hein. Ok. Encore. Tchou, tchou. Prise de sang. Alors, ah, opération. C'est juste des os cassés. On veut de la nouveauté. Les mesures. Oh, je suis un peu en dessous là, hein. Voilà. Je suis pas sûr que ce soit encore utilisé ces balances à poids comme ça. Mais bon, pourquoi pas. La petite perf. Un petit scanner. Impec.
les pansements. Lavage de main. J'espère qu'ils ont un bon budget savon, hein, franchement. C'est bon? Oui. Hop. À l'accueil, toi. Dossiers médicaux. Ah, une opération? Un nouveau truc? Allez. Hey, psst. Et enfin, voilà. Attention, ambulance. Des os cassés. Ben allez en route. Il fait son petit paresseux là le médecin. Attends, juste avant, je me lave les mains quand même, on ne sait jamais. Tchou, tchou. Ok. Pansement. Ah, l'hélico maintenant. Donc c'est pareil que l'ambulance, hein. Alors, perfusion. C'est pareil que l'ambulance, sauf que c'est un hélico. Youpi. Et paf, ça fait des chocs à pic. De sang. Bien, puisque ça roule bien, on va faire une petite pause après cette opération. Hein, faut se reposer, c'est important. Salle de repos pour les médecins. Allez. Ah, la preuve qu'il faut se reposer. J'arrive plus à réparer cette fracture. Allez, on respire un petit peu et on vient juste après. Il y a une urgence. Peut-être traiter l'urgence avant quand même. Bah c'est une urgence. Prise de sang urgente. Ok. Là cette fois-ci, c'est bon, on fait une petite pause. Allez, on reprend le travail dans l'hôpital des enfants Playmobil. Eh bah tiens. À peine le temps de souffler. Jean-Maurice, vas-y. Pendant ce temps, Béatrice, tac, à l'étage. Ça, j'aime bien préparer le. Oh! Eh bah!
Voilà. C'est bon, le scanner est prêt, docteur. Yay. Ascenseur. Attention. Ah, j'entends l'hélicoptère qui arrive. Un petit coup de tension. Et enfin, la température. Tu fais péter mon thermomètre, c'est jamais bon signe hein, quand même. Hop. Michel! Alors, retirer le plâtre. Ah, bah une nouveauté, tiens. Soulève la jambe du patient et découpe le plâtre. Allez, lève. Quick, quick, quick. Voilà. Alors, ensuite, ici. Et bien sûr, se laver les mains. Allez. Ça, c'est quand même hyper abusé, je trouve, le lavage des mains. Bon, je sais que c'est super fréquent dans un vrai hôpital, mais là, quand même. En jeu, ça aurait été sympa de faire varier un petit peu, quand même. Hihi. Remettre en place les os cassés. Ça, on connaît. Voilà. Ah, j'ai une nouvelle infirmière encore. Ça m'en fait plein. Je suis le roi des infirmières. Prise de sang. Hop. Allez, docteur. On vous attend ici. Les mesures. Hop. Allez. On te rajoute 4-5 cm, ça te fait plaisir. Et tu fais 100 000 kilos. Alors, les os cassés, oui. Ici. Et là. Voilà. Ben, je vois pas trop ce que je pourrais encore débloquer. Peut-être une salle à l'étage, à côté de la salle de pédiatrie. Alors, installer une perf. Ok. Voilà. Et pendant ce temps, urgence. En route. Mais d'abord, on se lave les mains. Maintenant qu'il y a plus d'infirmières, est-ce que je vais avoir encore plus de mains à laver? C'est horrible. Allez, hop là, voilà. C'est tout propre. Alors, les pansements, ok. Urgence pansement, hein. Il vient d'ambulance se faire mettre un pansement quand même. Pourquoi pas? Alors, préparer le scanner. Voilà. Eh ben. On classe, ça faisait longtemps. Maintenant que je comprends comment ça marche.
Oui. Hop, hop. Ok. Hop là. Alors, on prépare encore le scanner. Grosse passion pour la préparation du scanner. Ah, bah oui, il y avait bien une nouveauté, une couveuse. Il y a peut-être encore plus de trucs à débloquer. Alors. Voilà. Les mains sont propres. Ok. Ah, j'entends l'hélico. Allez, vite. Maurice, bouge! Ah, la couveuse. Qu'est-ce qu'on y fait du coup? On suit les battements du cœur. Oh, c'est génial. Faut taper en même temps. Jeu de rythme. On sait bien, il fait pas d'arythmie. Petite perf. Hop. Voilà. Et voici. Les os cassés. Arrêtez de vous casser les os. Ça doit faire mal. J'ai eu de la chance jusque-là. Jamais eu de fracture. Voilà. La toise. Et le lavage des mains. Est-ce que quelqu'un a compté le nombre de lavages des mains depuis le début de la vidéo? Je serais curieux de savoir. Faut regarder la vidéo depuis le début et il faut compter le nombre de lavages des mains. J'aimerais bien ça dans les commentaires. Chiche. Ah bah une médaille en chocolat pour ceux qui arrivent. Les mesures. Voilà. Youpi, on lance la carmagnole. Les os cassés. Et de deux. À chaque fois, c'est deux, hein. Les fractures, c'est toujours par deux. On contrôle. Hop. Le petit coup de thermo. Voilà. Ah, attends, avant de partir. Le bébé. On le mesure aussi. Il est plus petit, forcément. Hein. Mais il est gros. Il est gros ce bébé là. Hein. Il y a une urgence après, attention. Enfin, attention. On a tout le temps qu'on veut pour la faire, hein, c'est pas le problème.
Hop là. En route. Pop, 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 pop. Allez, cours. Cours, Forest. Prise de sang. Voilà. Alors, les mains. On rince bien et on sèche. Il déconne un peu, hein, votre bidule. Classement de dossier. Ok. Alors, par là maintenant. Bien. Qu'est-ce qui se passe si je relâche? Ah oui, ça diminue. Faut bien y aller assez vite. Et dans l'œil, ça marche ou pas le thermomètre? Ah bah non, hein. Wouhou! Le scanner. Voilà. En route, Micheline. Installe une perf. Voilà. Attends, il y a le bébé là. Oh, cette maîtrise du rythme. On a presque débloqué encore un truc là. Voilà. Un nouveau médecin. Ok, on est de retour après un petit bug de mon téléphone. On va pouvoir s'occuper du coup de nos patients. On a trois médecins maintenant, c'est pratique. Alors, les os cassés, les fameux os cassés. Il n'y a que ça. Tout le monde a les os cassés ici, c'est terrible. Qu'est-ce qu'ils font ces gamins pour se casser les os toutes les 5 minutes? Oui, j'ai entendu l'urgence d'abord. Je m'occupe de mesurer cette chose. Hop, un peu plus grand que ça. Et ensuite, le poids. Oula. Doucement, Monique. Ok. Et j'ai entendu la petite urgence. Mais aussi, faut se laver les mains. Alors attends, je me lave les mains. 1 milliard plus tard de lavage de mains. C'est bon? Elle brille là les mains, hein, je pense. Au bout d'un moment quand même. Mettre des pansements. Fastoche. Ah bah encore, dis donc. J'espère que j'ai un bon stock de pansements. Voilà. Alors, prendre les mesures.
Hop, attention, pas excédé. Ok. Oh bah j'y étais. Grrr, c'est bon. Alors, les dossiers médicaux. Si vous mettiez des noms plutôt que des formes avec des couleurs, en fait, ça peut être plus pratique, non? Alors, je contrôle. Eh ben, tu me la donnes, ta... Voilà. Ta languette. Voilà. Hop. On se lave les mains. Ah, puis pendant ce temps, il y a la machine à laver qui fait un lave... un lave-linge. Qui fait un boucan. La machine à laver fait un lave-linge, oui, bien sûr. Hein? Il faut du doigté, hein, c'est très précis. Hop. Allez, j'arrive pas à le choper là. Eh ben. Il reste coincé en plein milieu de l'écran. Voilà. Tu vois, j'ai bien fait de te mettre là pour les urgences. Hop, les petites pulpations. Pulpations. Pulsations de bébé. Les pulpations. J'ai la passion des pulls. Prise de sang. Les os cassés. Voilà. Ça va, ça se remet bien apparemment. Mais il veut pas y aller. Maurice, faut bosser là. Oui, alors. Là, se laver les mains, au bout d'un moment, je vais vous mettre des dispenses, hein. Voilà. Classement de dossier, prise de sang. Moi, c'est bien, je préfère. Eh ben voilà, les lits de bébé. Et encore une nouveauté. On a débloqué quasiment tout, là, j'imagine. Voilà. Ah bah tiens, on va pouvoir tester. Mettre des pansements. C'est même pas un nouveau truc.
Les os cassés. Et de deux. En fait, les os cassés, tu carbures et ça fonctionne. Voilà. On mesure le petit. Et donc, il est gros, votre gamin. Pas dû être facile pour accoucher. Un petit lavage de main, ça faisait longtemps, ça commence à me manquer. C'est bon? Tu. Voilà. Pour l'instant, urgence. Dépêche-toi, c'est une urgence. Bah oui, elle court au dernier moment, elle. Retrouver les os cassés. Allez. Tac. Là. Voilà. Prépare le scan. Ah! Voilà! Allez, Maurice. Classe le dossier. Formidable. Plus besoin de l'ascenseur, hein. Mais on peut s'amuser encore à le faire bouger comme un zinzin. Et voilà, simple, efficace, rapide. Alors ici, installer une perf. Oh, mais c'est pas nouveau ça. On se lave les mains. Ah, c'est bien. J'ai l'impression que ce niveau est très très long. C'est peut-être le dernier. Attends, je vois pas trop ce qu'on pourrait ajouter, hein. Peut-être de la décoration, un peu de fleurs. Je fais du suspense. Voilà. If, paf, pouf, pomf, pas d'arythmie, c'est parfait. En très bonne santé. Regarde-moi ça. Expert en eau cassée, là. Je te remets ça d'un coup, d'un seul. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'urgence. Ah bah tiens. J'aurais dû me taire. Impeccable.
Toujours quand il y a une urgence, elle se débrouille pour aller se laver les mains. Elle m'en a dit, je veux pas bosser quand t'as des urgences. Petite canaille. Voilà. Retirer le plâtre. Hop, ça je l'ai pas beaucoup fait encore, c'est que la deuxième fois. C'est rigolo. Va sur la toise et j'ai l'impression que c'est ce qui nous manque pour passer au niveau supérieur. Oui, bon, je vais ajouter 10 cm, mais c'est pas très grave. Pile poil, regarde, du premier coup. Une nouvelle infirmière, encore? Mais j'en ai trop. Il y a encore un niveau derrière, hein. Pof. Il ne doit plus rester grand-chose, je pense. On va le faire en un épisode. Un là. Et un là. À quoi elles servent les infirmières à part se laver les mains, honnêtement? Pouk. Alors, les mains. C'est bon, c'est propre comme un sous-neuf. Allez, Micheline, cours. Cours, te dis-je. Cours! Elle est sur les 3 derniers mètres. À quoi ça sert, franchement? Très bien. Ah, il n'est pas léger non plus celui-là. Hein. Eh ben. Je prépare. Voilà. Je classe. Je fais tout, moi, dans cet hôpital. Appelez-moi Chanel. Va y avoir un bonus. Plus on le fait, plus ça rapporte d'expérience. Attention, voilà une urgence. Juste avant, on contrôle.
Hop, allez dans la bouche. Vise bien. Voilà. Micheline. Alors ici, une paire. Voilà, c'est pas sorcier. Une urgence, encore? Franchement, vous pourriez le faire vous-même, hein. Eh oh! Voilà. Ah, je vais peut-être débloquer un autre médecin aussi, hein. Pour avoir deux médecins en haut, deux médecins en bas, peut-être. Bah, dis donc. La folie des perfusions, là. Vous avez un prix de gros ou quoi? Ok. Ah, je sais parfaitement me laver les mains maintenant, hein. Je pourrais le faire les yeux fermés. On mesure? Non, on suit les battements. Merveilleux! Allez, on y est presque là. On y croit. Ah, veux-tu aller dehors? Même pas eu le temps d'avoir son petit pansement. On mesure. Il y a une urgence hélico, attention. Urgence hélico. Josiane, elle veut toujours pas courir, hein. Plus fort qu'elle. Bim, allez, je te découpe ça à la tronçonneuse. Non, mince. Eh oh. Ok. Voilà. Bon, excuse-moi, j'ai pas spécialement envie de faire le lavage de main tout de suite. Je le garde pour après. Allez, on se lave les mains. Squish, squish. Voilà. Pansement.
Juste à côté, regarde. Et c'est le dernier avant de monter de niveau, je pense. C'est pas une raison pour que la machine à laver s'énerve. J'espère que le son n'est pas trop agressé par cette machine. Ah, le fauteuil roulant! L'hôpital est aménagé. Et ben voilà! On a fini l'hôpital! C'est merveilleux! Allez, on va attendre une petite mission sur le fauteuil roulant. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, bien évidemment. Ah bah voilà! La dernière mission. On aura réussi à aménager l'hôpital quand même. Tout simplement mettre des pansements. Et bah voilà. Je vous invite également à aller voir mes unboxings de Playmobil. Hein. Donc, y a de quoi faire. Si vous aimez ça, tous les thèmes qui vous plaisent. Voilà. Et puis les évolutions Playmobil aussi. Vous pouvez voir l'évolution d'une boîte à travers les différentes gammes, à travers les époques. On gère l'urgence. Et on terminera bien sûr la vidéo par un petit lavage de mains, hein, parce que c'est extrêmement important de se laver les mains. Voilà. Allez, fais-toi plaisir, on va le savourer. N'hésitez pas aussi à aller voir mes autres let's play de jeux Playmobil. Il y a la police, il y a la maison moderne, il y a l'équitation, il y a la vie de princesse, il y a tout. Allez, merci à tous, à très bientôt pour de nouveaux jeux et de nouveaux jeux Playmobil aussi. Ciao.